présenté par l'écurie McLennan, les Écossais qui ont confié leur élevage. Elle aura des passions, en l'occurrence pour la présentation. Ah, c'est un fils de Great Pretender dont on a parlé tout à l'heure. Il est tôt, hein, le 28 janvier. La mère est Paramaresca Sorrento, la mère c'est Idole des Brosses. Ah, c'est la famille de Boum des Brosses. Ah, la famille de Coq, évidemment, que de souvenirs, Boum des Brosses, Armagel, mais Crac des Brosses aussi, et puis Edgar des Brosses. Dédé des Brosses, et oui, le patriarche c'était André, le charcutier, le coq de Fleu. Et puis il y a eu Rivalo des Brosses, il y a eu Toscan des Brosses, et voici la suite, en fait. La suite, on va marcher d'ailleurs. On marche, ouais. Dédé des Brosses a été deuxième à l'État à Constat. Rochefort. C'est le premier produit de Taillé des Brosses. Et on a cassé la tirelire, on a été à Great Pretender, un des meilleurs étalons de frappe en France, chez Pascal Nou, au Rat de la Hétraie. Je vous rappelle qu'il a fait de nombreux vainqueurs cette année. Il y avait bien sûr Béliné Dieu donc, qui a gagné la Grande Course de l'Auteuil. Et puis ici même, Amazing Comedy qui a gagné en joueur challenge. Boule des Brosses, c'était 4 victoires en plat, y compris. Face au pur sang dans le handicap de la Maine à Angers, à deux reprises, extraordinaire handicap. Mais on peut trotter désormais. Et 15 victoires en obstacle, dont le grand cycle de chaise de Nantes. Depuis les provinces à Angers, à l'époque où on montait moins à la capitale quand on était chez nous. Sauf qu'on le fait des provinces. À Angers, on avait moins le droit d'aller au Teuil. Et ce crack des Brosses l'a emporté. Ce boule des Brosses l'a emporté. Crack des Brosses, il y avait un petit peu moins de victoires, enfin quand même. 14 victoires en plein et en obstacle, donc grand style de secret. Ah, c'est le deuxième grand style.